Vous avez envie de vous régaler avec une fontaine à chocolat pour pouvoir voilà, faire couler le chocolat fondant, le maintenir au chaud et pouvoir bah, tremper dedans des fruits, des chamallows, des bonbons ou voilà, toutes sortes de choses que vous avez envie de mélanger avec du chocolat fondu pour vraiment bah, vous régaler et avoir des desserts délicieux. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleures fontaines à chocolat qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant en partant vraiment d'une très accessible hein, en dessous de 30 euros à des un peu plus chères qui vont être au final voilà en dessous de 40 euros. Donc c'est une gamme de prix plutôt raisonnable, il n'y a pas des énormes différences non plus. Et du coup on commence tout de suite avec la première qui sera la Tristar Fontaine à chocolat CF 1603 grise avec 3 étages et une capacité de 0,4 litres pour une puissance de 32 watts. Donc vous pourrez profiter de moments conviviaux et gourmands avec une fontaine à chocolat à 3 niveaux qui vous permettra de tremper des fruits frais, de la guimauve ou des biscuits dans le chocolat fondu. Vous aurez juste à faire fondre le chocolat avec un peu d'huile végétale au bain-marie, au micro-ondes ou autre pour que la fontaine ensuite le garde au chaud et bah, le déplace comme ça. C'est une fontaine qui est équipée de deux fonctions, chauffe et chauffe-moteur. La fonction chauffe permet de maintenir votre chocolat fondu à température constante de façon à ce qu'il reste bien fluide. Et la fonction chauffe plus garde également le chocolat fondu à température constante et le pompe vers le sommet de la tour pour le faire circuler dans toute la fontaine. C'est une fontaine qui vous permettra de laver une fois que vous aurez terminé toutes les pièces de lave-vaisselle, donc vous n'allez pas vous prendre la tête à chaque fois pour le nettoyage. Du coup, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des puits antidérapants pour limiter le risque d'accident, ce genre de choses. Et vous saurez qu'elle est en marche grâce à un rayon lumineux. Vous pouvez également l'utiliser sur d'autres types de sauces si vous avez envie, par exemple, pour du fromage, même si à la base c'est quand même conçu pour du chocolat. On va avoir des très bonnes évaluations, hein, des bonnes évaluations 3,9 étoiles sur 5, et un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous voulez bah, le moins cher et quand même une bonne qualité, je vous recommanderais de prendre celle-ci. Je vous mettrai le lien de toute façon juste dans la description. La deuxième que je vais vous présenter, c'est la Clatronic SKB 3248 fontaine à chocolat 170 watts acier inox. Donc déjà au niveau de la puissance, ça n'a rien à voir, hein, 170 watts, l'autre était à 32. Donc vous aurez un voyant de contrôle, des pieds antidérapants. C'est en acier inoxydable avec une bonne puissance. C'est garanti pendant un an, la couleur est bah, métal et le poids du produit sera environ 2,5 kg. Donc encore une fois, vous pourrez bah, tremper toutes les brochettes, des biscuits que vous voudrez dans cette fontaine à chocolat. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Après, c'est une fontaine à chocolat plutôt classique avec un prix qui est plutôt correct et des évaluations aussi plutôt correctes. 4 étoiles sur 5, donc c'est très légèrement mieux que la première. Et on va avoir aussi un peu plus d'évaluation à 1332. Donc le produit est assez populaire, donc vraiment pourquoi pas aussi aller vers celle-ci. Et la troisième et dernière que je vais vous présenter, c'est la fontaine à chocolat Princess 292 994 noir avec 3 étages. Et encore une fois, on va avoir 0,4 litres et 32 watts de puissance. Du coup, bah, des fonctionnalités assez similaires, vous pourrez vraiment profiter d'une bonne convivialité avec cette fontaine à chocolat à 3 étages en acier inoxydable pour tremper des fruits frais, de la guimauve, des biscuits ou quoi. Vous pourrez du coup voilà, utiliser la fonction chauffe et la fonction chauffe plus moteur voilà, pour faire monter le chocolat. Vous aurez du coup la possibilité de faire fondre du chocolat ou autre chose, comme je l'ai dit, du fromage par exemple, et vous pourrez la nettoyer facilement au lave-vaisselle. Du coup, c'est vraiment pas mal non plus. En réalité, voilà, celle-ci est très similaire à la première. Elle a juste un prix qui est légèrement plus élevé. Hors promotion, là, il y a des promotions actuellement avec tout ce qui est Black Friday. Ça dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et elle a des évaluations bonnes avec 3,8 étoiles sur 5, mais c'est pas non plus exemplaire si on devait se fier juste aux évaluations. La deuxième serait la meilleure, donc maintenant c'est à vous de faire votre choix. Moi je vais vous mettre tous les liens juste dans la description de cette vidéo, voilà juste en dessous, chaque fontaine à chocolat en fonction de son ordre d'apparition. En passant par ces liens, vous pourrez voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails, voir les évaluations clients, les questions-réponses, et au final choisir celle que vous préférez, celle qui vous dit le plus, la commander, et ça arrivera en quelques jours chez vous, et vous pourrez, faire votre chocolat et profiter de délicieux mélanges. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous les prochains comparatifs pour être bien chez soi. Et moi, sinon, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et également un bon appétit. Je vous dis à la prochaine et ciao!